nous devons donner plus d'importance à notre vie. La gouvernance de l'Internet de façon responsable est le plus important, y compris les technologies numériques. Bonjour, je m'appelle Jonathan Charles, je suis directeur pour la communication de la Banque européenne. Pour la reconstruction et le développement, j'ai travaillé pendant des années à BBC et j'ai eu beaucoup de chance à avoir participé dans de nombreuses rencontres FGI en réel. Et maintenant, nous sommes presque à la fin de cette 15e session en ligne. Après quelques journées de débats fascinants, nous avons eu le plaisir, l'honneur d'avoir participé à cette rencontre. Comme nous l'avons vu sur cette vidéo, l'Internet n'a jamais aussi été importante. Pendant une heure ou deux heures qui nous restent, nous allons donc essayer d'anticiper ce qui nous attend dans l'avenir. Donc, deux panels de haut niveau qui nous attendent. On commence par remarques qui ont été apportées par Antonio Guterres, donc le secrétaire général des Nations Unies. C'est un grand plaisir de pouvoir m'adresser à vous à cette session de clôture de la 15e session de FGI. La pandémie COVID-19 a montré combien les technologies numériques et la transformation sont importantes et combien il est important de renforcer la plateforme FGI pour les solutions proposées. Cette année nous a apporté de nouveaux bénéfices liés à l'accès à l'Internet pour protéger la santé, avoir l'emploi, etc. Mais cela a montré aussi une grande fracture numérique. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'accès aux technologies numériques. C'est presque la moitié du monde. Les personnes qui n'ont pas la possibilité de travailler, de se former, de participer à la vie quotidienne. Presque 500 millions d'élèves ne participent pas aux cours. Et ceux qui sont les plus vulnérables, notamment les filles, ne seront jamais de retour à l'école. Et maintenant, lorsque cet accès n'existe pas, beaucoup de personnes sont vraiment exposées aux abus et à la violence. Il faut donc savoir quelles sont les solutions qui sont devant nous. Et la discrimination aussi dans l'espace numérique existe et les risques de fragmentation de l'Internet est plus grand que dans le passé. Voilà, donc ce sont les éléments vraiment cruciaux qui nous attendent. Et nous devons donc protéger les gens et aussi se concentrer sur l'inclusion numérique. Et cela est très important pour pouvoir assurer la relance. Pour cette relance, il faut combler d'abord la fracture numérique, assurer la connexion à ceux qui vivent dans la pauvreté, qui sont vraiment à la marge, qui sont vulnérables, qui souffrent différentes inégalités. Et il faut aussi assurer l'inclusion. C'est aussi nécessaire lorsque nous pensons à la manière dont les données sont gérées. Il faut penser comment les données peuvent être les mieux utilisées pour les biens publics et comment assurer le cadre gouvernemental pour la bonne gestion de ces données aussi en ligne avec le développement durable. Ceux qui représentent différentes communautés, le secteur gouvernemental, dans les sociétés, les entreprises, la société civile travaillent étroitement avec les Nations Unies pour élaborer ensemble la feuille de route. Et cela va dans le sens d'assurer la connexion à l'Internet, de combler la fracture numérique. Ensemble, nous essayons d'assurer la relance après la pandémie et nous pouvons aussi atténuer les effets nuisibles de technologie numérique. Je m'adresse au gouvernement pour qu'il élabore les programmes responsables de relance après la pandémie et aussi pour qu'il fasse en sorte que l'Internet soit égal et vraiment accessible pour tout le monde. Le FGI joue un rôle important pour assurer le lien entre différents éléments sur la cartographie numérique. Nous devons faire agir de façon catégorique, ferme, et le FGI
doit aussi renforcer son rôle dans cette architecture numérique. Nous avons identifié quelques zones à améliorer qui vont permettre de rendre le forum plus visible, de promouvoir les actions avec la participation de beaucoup de parties prenantes pour traduire nos actions en choses très concrètes. Et notre feuille de route qui englobe plusieurs éléments. Je voudrais donc vous dire quels sont les éléments particulièrement cruciaux. Nous avons donc besoin d'un forum qui soit vraiment responsable et qui puisse réagir de façon concrète. Nous avons besoin aussi d'experts responsables au niveau des Nations Unies pour qu'ils puissent se rencontrer, partager certaines expériences et pour qu'ils partagent aussi certains standards et règles. Je vous remercie. Merci. Merci, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour ces remarques de clôture. Voilà, donc maintenant une petite vidéo FGI 2020 avec quelques messages clés de quelques jours qui viennent de se couler. Les pays les moins développés. Nous avons besoin de solutions, des solutions qui nous permettront de combler la fracture numérique, pour que les solutions numériques puissent atteindre ceux qui sont dépourvus d'accès à Internet. Donc, l'objectif d'avoir l'Internet généralisé n'a pas été réalisé. 3,6 milliards de personnes n'ont toujours pas d'accès, ne sont toujours pas connectées. Il y a toujours des coupures du son.
Nous nous excusons par rapport aux personnes qui avaient du mal à entendre les sons. Donc, vous pouvez bien sûr voir ce film à tout moment, il est accessible. Voilà, donc on arrive au premier panel. Et pendant quelques minutes à venir, nous allons donc parler de l'Internet, la situation présente, la situation de l'avenir. Est-ce que l'Internet est prêt pour la relance après COVID-19? Je m'adresse aux panélistes, donc le vice-ministre de la politique de Costa Rica, ensuite le représentant de l'Éthiopie, le vice-ministre de communication des masses médias de la Russie, Monsieur Christophe Schubert de la Pologne, le plénipotentiaire pour l'FGI, Vera Sangve, le sous-secrétaire des Nations Unies pour la Commission économique pour l'Afrique, et ensuite Madame Henriette Esterhuizen de FGI, donc pour le groupe latéral. Donc, je voudrais commencer de dire que voilà, la Pologne qui va accueillir FGI en 2021, ensuite l'Éthiopie et la Russie. Donc, je vais commencer par les ministres de ces trois pays. Donc, voilà, je m'adresse maintenant à Monsieur Schubert de la Pologne, donc le premier hôte de la conférence. Donc, tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, dans quel domaine, sur quel domaine l'FGI devra se concentrer. Voilà, donc je m'adresse à vous, monsieur. Maintenant, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Pour moi, en tant qu'ancien membre de MAG, c'est un grand plaisir de pouvoir rencontrer en ligne. Peut-être d'abord quelques commentaires concernant cette question. À mon avis, COVID-19 a montré très clairement quelle est l'importance des technologies numériques. Et un impact sur la vie des hommes qui normalement doivent suivre son train-train quotidien. Nous avons vu de façon très claire que les technologies numériques répondent à nos besoins. Cette période de la pandémie a accéléré la réalisation de certains projets qui avaient un retard. Cela nous a permis de changer les priorités pour finalement pouvoir soutenir l'approche numérique, la politique a évolué, c'est aussi notre expérience en Pologne. Pour revenir à la question que vous avez demandée, si l'Internet est prêt à cette relance, rétablissement après le COVID, oui, je pense que oui, je pense que c'est le meilleur plan de relance que nous pouvons réaliser. Les solutions basées sur l'Internet ont permis à 2 millions de personnes de travailler toujours pendant la pandémie, donc ce rôle stratégique de l'Internet a bien fait ses preuves. L'éducation à distance nous a montré que les infrastructures numériques modernes ont une importance stratégique. Nous devons aussi assurer la cybersécurité. Nous devons aussi assurer que les données soient vraiment sûres. Et nous devons se concentrer sur l'éducation et l'éducation à distance. Tout cela va dans le sens de la formation de la nouvelle société numérique, digital, aussi pour créer un Internet sûr, transparent et plein de confiance. Ceci est très important. Cette perspective large montre que nous avons aussi besoin de coopération plus étroite. Nous avons besoin de projets en commun dans différents formats politiques, comme nous le faisons ici en Europe centrale, nous le faisons dans le cadre du groupe de Visegrad ou dans le cadre de l'initiative de Trois Mers. Cela nous a permis aussi de concentrer les fonds parce que à défaut de moyens financiers, on risque, notamment les petites et moyennes entreprises risquent d'avoir des problèmes. Plus que 60% des innovations sont réalisées dans le secteur, réalisées par les petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup de questions, bien sûr, qui restent sans réponse et nous allons essayer de répondre pendant l'édition en Pologne. Je vous remercie. Et maintenant, je veux revenir avec une autre question parce que nous parlons ici de la croissance et du rôle croissant de l'Internet. Donc, ça sera très important pendant cette relance. Qu'est-ce que ça veut dire que lorsque nous parlons de cet besoin croissant de gérer l'Internet? Ce que moi, je vois, c'est que beaucoup de pays se sont rendus compte de l'importance de technologie numérique. Cela veut dire que ces pays sont maintenant à jour à la transformation, à la stratégie numérique.
maintenant se trouvent vraiment sont beaucoup plus priorisés qu'avant. C'est très bien parce que c'est très important à l'époque de la pandémie. Moi, je dirais donc que ce niveau-là, cette concentration sur la technologie, le fait que nous pouvons, ça peut être utile dans différents secteurs économiques. Ce n'est pas uniquement la question de l'économie numérique, mais le fait que beaucoup de filières vraiment voient cette importance de technologie numérique. Je pense qu'on pourra revenir à cette question l'année prochaine en Pologne. Et aussi, les aspects économiques sont très importants. Aussi, les aspects économiques, les fonds et tout cela. Sans fonds, sans investissement, la transformation numérique ne pourra pas prendre corps. Merci. Merci, Monsieur Schubert. Maintenant, on passe maintenant à l'Éthiopie qui va accueillir l'FGI après la Pologne. Donc, nous avons ici le ministre en charge des technologies et des innovations, Monsieur Ahmed. Donc, c'est la même question que je voudrais vous poser. Donc, quel est le rôle de l'Internet d'après vous? Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour la gestion à l'époque de la pandémie? Et merci, Jonathan. Je voudrais donc profiter de cette opportunité pour remercier en mon nom, aussi au nom de la République de l'Éthiopie, du nom du ministre des Innovations et des Technologies, de pouvoir participer à ce forum, à cette session de FGI. Et comme dans tous les autres endroits du monde, nous savons combien l'Internet est important, notamment à l'époque où COVID-19 nous a frappés avec une grande force. Docteur, il y a des coupures, on a vraiment de problèmes pour traduire. Est-ce que vous pouvez désactiver l'image parce que peut-être ça permettra d'améliorer la qualité du son? Voilà, donc j'espère que dans l'avenir, cet effet sera durable. On doit se concentrer sur les infrastructures de l'utilisateur. Lorsque nous parlons de cela, il faut se concentrer sur différents débits, sur l'augmentation du potentiel, la bande large. Donc, il faut diminuer les coûts et aussi assurer le dernier tronçon, et aussi assurer la standardisation des données pour fournir le contenu local. Et aussi, nous devons nous concentrer sur l'utilisateur final, parce que le COVID-19 a un impact sur tous les secteurs, comme d'ailleurs cela a été dit. Et nous aussi, dans nos initiatives en Éthiopie, nous traitons cette thématique. Donc, dans ce cadre, nous avons donc des initiatives qui sont liées à cela. Et nous essayons de mettre à disposition le matériel, les équipements qui sont bon marché. Conformément à notre loi, nous avons aussi des transactions sur Internet pour lesquelles nous utilisons ce type de solutions. Dans la perspective politique, le cadre politique doit se concentrer, doit se focaliser sur l'utilisation de l'Internet et aussi pour assurer l'accès. Pour augmenter l'accès, pour assurer la prospérité, le bien-être. Ensuite, le gouvernement, normalement, doit se concentrer sur la bonne qualité de l'éducation, aussi sur les systèmes accessibles qui devraient aider aux élèves et aussi aux étudiants d'atteindre les objectifs visés pour changer, faire évoluer les États dans l'avenir aussi. C'est la même chose pour l'économie, pour améliorer la qualité de vie. Et il faut se concentrer sur d'autres secteurs comme l'Internet des choses, des objets, la sécurité et aussi le droit de l'homme, qui sont ici aussi liés aux technologies de pointe. Merci. Merci beaucoup. Après, on vous a très bien entendu. Merci beaucoup. C'était très important. Maintenant, la Russie. Maxime Parchin, vice-ministre des Affaires des masses médias et du développement numérique. Quelle est, selon vous, la situation de l'Internet, l'Internet de l'avenir dans le contexte de la gouvernance? Bonjour, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants sur la gouvernance du Forum sur la gouvernance de l'Internet.
Donc, toutes nos activités sont maintenant transférées à l'Internet, se passent sur Internet. Et dès le début de la pandémie, nous faisons tout pour que l'Internet soit garanti à tous les habitants de la Russie. L'Internet est devenu le catalyseur de la vie moderne. Grâce à lui, l'on effectue des diagnostics et même assuré l'aide médicale. En même temps, la nouvelle réalité et une numérisation accélérée nous donne des nouveaux défis, surtout liés à la sécurité sur Internet, liés à la protection des données personnelles, liées aux fake news. Et donc, la question qui se présente est si la gouvernance de l'Internet d'aujourd'hui peut faire face aux défis de l'avenir, aux défis globaux. Nous sommes persuadés que la réponse doit être basée sur les règles de sécurité et de confiance avec le respect des droits de l'homme, avec le respect pour chaque pays de gérer ses propres ressources. Nous considérons qu'il faut établir un document global qui définirait le rôle précis des gouvernements, de la société, des entreprises. Une approche commune par rapport à la sécurité doit être garantie. Nous devons lutter contre l'expansion des fake news et à la désinformation qui se répandent sur Internet. Au sein de l'ONU, il faut définir une structure qui va introduire ces normes et ces standards dans la gestion de l'Internet. Une telle structure peut être, par exemple, l'Association internationale de télécommunications. Nous proposons de se concentrer sur l'élaboration des mécanismes qui vont nous permettre de travailler de façon à ce que nos décisions n'aient pas seulement un caractère déclaratif. Nous voudrions dire que la Russie a reçu une confirmation officielle de la part de l'ONU et en 2025, la Russie va préparer le Forum international de la gouvernance de l'Internet. C'est une grande honneur pour moi. Nous allons garantir par la suite une large participation à ce forum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'être ici avec nous. L'interprétation est accessible. Vous pouvez choisir votre langue, maintenant l'Amérique latine. Le vice-ministre de la planification nationale et de la politique économique, Carlos, lorsque tu vois tous les défis que doit relever Costa Rica, donc quels sont en fait les défis pour toute l'Amérique latine, non seulement pour ton pays? Bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde. Merci de nous avoir invités. Nous voyons ici trois domaines importants. Nous parlons ici de l'éducation, du travail et du système de santé. Tout le monde voir quelles sont les relations entre la pauvreté et l'accès à l'Internet. Le niveau de revenus par rapport aux données précédentes a augmenté, donc nous avons de bonnes nouvelles dans notre pays. Mais en ce qui concerne un indicateur, nous montrons par cela à quel point l'accès à l'Internet a-t-il diminué de 5% par rapport aux données précédentes. En ce qui concerne maintenant l'éducation publique et privée, eh bien là, il y a aussi une grande importance parce que l'accès à l'Internet assure l'accès à l'éducation. En ce qui concerne maintenant les femmes, notre gouvernement veut combler les lacunes en ce qui concerne l'égalité de traitement des hommes et des femmes. Et l'accès à l'Internet permet l'utilisation d'autres outils nécessaires dans notre vie.
la révision de l'année 2020 nous a montré que pour ce qui est de l'objectif numéro 4 du développement durable, c'est-à-dire l'éducation, elle peut être assurée seulement si l'on a l'accès à l'Internet assuré. Et ainsi, la qualité de l'éducation peut augmenter. Ceci montre que le potentiel n'est pas utilisé de cette façon satisfaisante. Il devrait y avoir plus d'investissements liés à l'Internet. Les consultations médicales sont réalisées par la télémédecine en ligne, etc. Donc, l'accès à Internet au débit a une grande importance de la perspective du système de santé. Cette fracture numérique était grande et elle devient maintenant même de plus en plus grande. Elle doit être comblée. Désormais, parce qu'il faut réaliser des activités dans des domaines différents pour obtenir des compétences permettant de créer des emplois dans plusieurs différents secteurs de notre économie. Nous savons que la transformation numérique est inévitable. Donc, les investissements publics au niveau d'1% du PIB doivent être dédiés à cela. Il faut créer l'inclusion sociale et rendre accessibles les smartphones, les ordinateurs, d'autres outils et des packages de services Internet. Notre travail, notre éducation et notre santé dépendent en grande mesure dans cette période-là de l'accès à l'Internet. L'Internet est la force motrice de l'implémentation de notre agenda 2023. Quelles sont les alternatives pour notre région? L'Amérique latine est consciente de plusieurs tendances différentes. Nos objectifs pour la réalisation de la feuille de route sont des questions clés pour nous, pour tous les pays de l'Amérique latine. Nous atteignons le niveau de 60-75% d'accès à l'Internet selon le pays, mais il faut tenir compte de l'Inde et de la Chine. Une grande partie du PIB global et une grande partie de l'endettement des pays en développement, eh bien, ça doit être pris en compte. L'objectif pour l'inclusion numérique peut être la réalisation de notre agenda numérique. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre adjoint. Vera Sangmay, sous-secrétaire général de l'ONU et secrétaire de la Commission économique pour l'Afrique. Eh bien, l'Afrique doit relever ses propres défis. Quels sont ces défis spécifiques en ce qui concerne la technologie numérique et la numérisation de ce continent? Merci, Jonathan. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir accueilli à cette session, de m'avoir inclus dans cette conversation magnifique. Beaucoup a été déjà dit, mais en ce qui concerne l'Afrique, on voudrait parler de trois charges. Nous, en tant que commission économique, nous nous concentrons surtout sur une plus grande accessibilité à l'Internet. Tout le monde a déjà souligné l'importance de la connectivité, même si elle existe sur le continent, elle est trop onéreuse. Les coûts sont trop élevés et c'est une barrière. Il y a beaucoup de maisons, de foyers qui ne peuvent pas se le permettre. Donc, il faut réduire le coût de l'Internet. Et la chose suivante, c'est le débit. Nous avons déjà vu comment ça marche, c'est-à-dire entrer un site quelconque en Afrique, de l'Afrique peut prendre 2 minutes et beaucoup moins aux États-Unis. Donc, si le haut débit n'est pas accessible, ne marche pas bien, c'est ça la raison. Donc, il faut que nos gouvernements se concentrent sur un meilleur débit. Mais ce qu'on craint beaucoup, ce sont les statistiques, c'est-à-dire que presque un tiers du continent, en fait, n'a aucune identité numérique, même s'il y a accès à l'Internet. Même si ces gens ont accès à l'Internet, ils n'arrivent pas à participer à la vie numérique. Et donc, nous essayons de se rassurer le plus rapidement possible que les Africains auront accès à un meilleur Internet. Bien sûr, il y a des risques qui se présentent, c'est la fracture numérique. Si ceux qui ont déjà accès à cela, ils auront un accès encore meilleur, et ceux qui n'en ont pas du tout, il leur sera encore plus pénible d'obtenir cet accès. Nous le voyons très bien dans l'éducation. Dans un foyer qui peut se le permettre, 7 personnes à la fois peuvent utiliser l'Internet.
Par contre, il y a des foyers qui ne peuvent pas se le permettre et personne n'a accès à Internet. Donc, ce passage vers l'ère numérique augmente les inégalités, creuse le fossé. Et c'est surtout l'Afrique qui en souffre, bien sûr aussi l'Amérique latine, elle aussi partiellement. Mais nous, en tant que continent, nous sommes justement le réservoir de pays qui est en situation vraiment peu satisfaisante. Nous, en tant que commission économique, nous avons créé un centre d'excellence numérique. Nous travaillons avec l'Union africaine. Un collègue a dit qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour avoir un environnement législatif harmonisé, pour que tout ce soit harmonisé au niveau du continent. Il faut aussi se pencher sur la vie privée, la protection de la vie privée sur Internet et la sécurité de l'identité numérique pour que le processus ne soit pas chaotique. Je m'en arrêterai là. Je vais peut-être joindre le débat un peu plus tard. Merci. Merci. Encore une question. Une raison pour laquelle l'Afrique a beaucoup de problèmes de ce genre, c'est le manque d'investissement. D'où doivent provenir ces investissements, selon toi? Oui, et merci, c'est une très bonne question. Nous avons fait une chose très intéressante, il me semble, il y a 2 semaines. Eh bien, nous avons mis en place, nous avons organisé une réunion sectorielle sur l'intelligence artificielle au Congo avec les entreprises technologiques les plus grandes sur le continent pour créer une plateforme de communication au niveau africain. Nous voulons rassembler au sein de ce groupe tous les plus grands telcoms sur le continent. Donc 36 pays sont concernés pour que ces entreprises voient quelle est la valeur des technologies, de l'utilisation de l'Internet en tant que manière de s'adresser aux clients. C'est l'une des manières d'investir parce que les gouvernements doivent créer des cadres législatifs prévisibles et stables. Au moment où une entreprise entre dans un investissement, décide d'investir, elle peut s'attendre à des bénéfices, mais il faut savoir d'où ces bénéfices peuvent venir. L'Afrique a mis en place l'un des plus grands programmes d'investissement dans le monde entier. Ici, le secteur privé a des portes ouvertes. Nous avons ici besoin de coopération avec d'autres institutions telles que le Fonds monétaire, etc. Et ensuite, le secteur privé va le voir de manière plus favorable. Si l'on voit le Kenya, par exemple, ici, la facilité du fonctionnement dans le monde d'affaires et favorise les investissements. Une fois l'infrastructure publique et privée créée, tout le reste suit et nous voulons créer une vingtaine de, nous avons une vingtaine d'entreprises qui veulent nous se joindre à cette initiative pour justement avoir l'effet de boule de neige. Nous voulons que de plus en plus de pays se joignent à cela, mais tout dépend bien sûr du frais des capitaux et de l'environnement législatif. Oui, merci. Des questions très importantes ont été soulevées du plan de notre Banque de développement européen de développement. Je pense que cet effet des mules, c'est quelque chose de très important et ça peut marcher très bien sûrement dans beaucoup de pays. Donc, les investisseurs peuvent ainsi montrer quels en sont les profits. Annette Asteras. Qu'est-ce que peut faire l'IGF en ce qui concerne la gouvernance de l'Internet dans l'avenir? Merci, Jonathan. Tout d'abord, je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui se sont joints à l'IGF et qui ont fait que ça a été un grand succès. Des remerciements à toi aussi, Jonathan. Je voudrais aussi remercier la Pologne, l'Éthiopie, le Japon, la Russie, les futurs hôtes. L'IGF doit être conscient qu'il n'existe pas dans une réalité parallèle à part. Les inégalités qu'on voit sur Internet reflètent les inégalités dans le monde réel. Les conflits, l'inégalité, l'injustice, la puissance de l'Internet permet de lutter pour de bonnes causes, pour ses droits, mais permet aussi de porter atteinte à certaines libertés. Alors,
En fin de compte, l'Internet ne peut pas rester divisé. On va pas résoudre les problèmes de l'Internet seulement sur Internet. Il faut être plus courageux, c'est-à-dire tenir compte des défis, de vrais défis, de différences d'approche par rapport à certaines solutions. Les réglementations pour les grandes plateformes d'Internet sont différentes par rapport à la taxation transfrontalière. Donc, il faut être très inclusive là-dessus. L'IGF doit prendre en compte différents points de vue, langage, etc., inclure d'autres forums de décideurs et institutions, mais aussi les gouvernements et les institutions régionales qui s'occupent des politiques liées à l'Internet. Au fur et à mesure que l'Internet se répande de plus en plus. Après, des institutions qui n'ont pas donné la priorité à l'Internet seront obligées à appliquer ces politiques. On doit donc être à l'écoute des besoins de ces entreprises, les inclure dans notre débat sur le forum de l'IGF. L'IGF doit aussi renforcer ses propres processus, doit changer, évoluer et renforcer son propre potentiel, le développer, nouer des relations plus étroites avec l'ONU et avec d'autres institutions en dehors de l'ONU. Il ne doit pas perdre son caractère unique, sa valeur unique en tant que forum qui est au sein de l'ONU, mais un peu à part. Et cette communauté qui est une initiative d'en bas, de bénévoles qui consacrent leur propre temps. C'est la force de ce forum. Alors, en développant l'IGF, eh bien, en introduisant dans cette nouvelle feuille de route numérique de nouvelles choses, il faut maintenir cette initiative d'en bas, en renforçant en même temps l'IGF en tant qu'institution, une institution qui va pouvoir travailler de façon plus efficace avec des décideurs dans le monde entier. Merci beaucoup. Il me semble que bon. Beaucoup de choses ont déjà changé. Je me rappelle ce qui s'est passé il y a quelques années, je crois en 2008. Oui, c'était en 2008, oui. Donc, je m'en souviens bien et je me rappelle Vilnius, oui. Et donc, on voit comment IGF a-t-il évolué. Il continue à évoluer. Je pense que c'est la meilleure façon, d'agir de façon bilatérale. Merci beaucoup. Je sais que nous allons nous rencontrer lors du panel suivant. Maintenant, passons aux engagements. Je voudrais maintenant demander à tous nos panélistes de s'exprimer en quelques phrases, exprimer des engagements au nom de leur propre institution pour ce qui est des mesures à venir sur le développement de tout ce domaine. Peut-être Monsieur Christophe Schubert d'abord. Quel est votre engagement? Je voudrais commencer par un commentaire. Nous sommes tout d'abord engagés en ce qui concerne le succès. Pour le succès du 16e FGI qui va avoir lieu à Katowice en Pologne l'année prochaine en décembre. Je voudrais donc aussi vous dire quelques mots sur les idées de FGI, sur ce que nous attendons pour l'année prochaine. Je pense que c'est un bon moment peut-être pour vous dire quelques mots. D'ailleurs, nous sommes bien sûr ouverts à accueillir vos suggestions. Nous voudrions que les jeunes soient plus impliqués dans le processus FGI. Donc, notamment pour être à l'écoute de jeunes en ce qui concerne le défi, l'éducation, tout ce qui est devant eux, leurs défis, donc l'éducation, l'emploi et aussi les résultats, les conséquences du COVID-19, tout cela a une grande importance. Nous voulons aussi utiliser les bonnes expériences, augmenter aussi la présence des parlementaires. À la FGI, ce sont nos collègues allemands qui ont commencé ce projet l'année dernière. Nous trouvons que c'est une bonne pratique que nous voudrions poursuivre. Nous voulons aussi faire impliquer le hôte de FGI 2022, donc l'Éthiopie. Nous voulons donc les inclure dans l'agenda 2021 pour que certaines questions, certains aspects puissent être poursuivis ensuite en Éthiopie un an plus tard. En écoutant le panel d'ouverture dont j'étais co-animateur, d'ailleurs, je voulais dire que les questions environnementales à l'époque de la transformation numérique, c'est aussi un sujet qui doit être poursuivi, notamment ce qui concerne le sujet de l'environnement qui, pour l'instant, n'a pas été tellement important dans l'agenda de FGI et qui devrait prendre de l'importance. Et à la fin, nous
pensons aussi à inclure de nouvelles communautés au sein de FGI. Par exemple, nous voulons proposer que les développeurs de logiciels, par exemple, qu'ils soient plus présents. La Pologne, tout récemment, a remporté la semaine européenne de gaming, donc je pense que ça sera aussi une bonne chose d'inclure cette thématique et aussi cette thématique générale concernant la relance après le COVID, donc avec l'utilisation de technologies numériques. Je pense que ça serait aussi un sujet intéressant à discuter. Je pense que voilà, c'est la perspective que nous proposons et j'espère que vous serez tous avec nous au cours du quatrième trimestre 2021. Oui, oui, bien sûr, notamment cette rencontre personnelle, physique, c'est quelque chose qui nous encourage énormément. Et maintenant, nous pensons au docteur Ahmed d'Éthiopie. Nous espérons qu'il sera bien audible. Bon, quel est votre engagement alors? Merci, Jonathan. Ça a été dit, il y a certains défis qui sont devant nous, qui se posent devant nous, et nous avons besoin de solutions pour assurer dans le cadre de la coopération internationale. L'Éthiopie s'engage dans cette coopération et nous voulons que cela soit poursuivi au sein de FGI, mais aussi il y a des solutions régionales, par exemple, qui visent à diminuer le coût de l'Internet sur l'ensemble du continent. En ce qui concerne le pays bien concret, donc dans le cadre de l'Éthiopie, notre gouvernement vient d'adopter la stratégie du développement numérique pour 2020. Donc c'est plutôt l'Éthiopie numérique 2025, c'est le titre de ce programme. Donc nous serons dans 2 ans, donc à mi-chemin en cours de la mise en place de ce programme. Nous espérons pouvoir résoudre la plupart des problèmes qui sont apparus pendant la pandémie, notamment le réseau de téléinformatique, la privatisation de ce réseau, c'est la régulation du marché des télécoms pour qu'il soit plus accessible en termes de coûts, mais aussi l'amélioration du réseau gouvernemental pour améliorer l'accès au réseau et pour standardiser le site de données. Et aussi pour faciliter la mise en place de l'économie numérique. L'Éthiopie est en train de mettre en place différentes solutions visant la sécurité dans le réseau. Tout cela, ce sont les sujets qui sûrement seront notre contribution, par exemple pour le développement du commerce électronique. Nous avons donc différentes lois que nous mettons en place, comme par exemple la loi sur les startups, qui normalement doit faciliter à ce type de société le fonctionnement, le lancement sur le marché, aussi la promotion de l'innovation et aussi de l'entrepreneuriat dans le contexte numérique. Tout cela, ce sont des choses très importantes, bien sûr. Ensuite, l'amélioration de l'alimentation par l'énergie, c'est aussi très, très important. La distribution de l'énergie, c'est aussi un grand défi. Et nous espérons pouvoir résoudre tout cela avant FGI 2022, notre gouvernement investit beaucoup, enfin beaucoup d'efforts pour que ces problèmes soient résolus. Par exemple, l'énergie hydroélectrique, donc c'est aussi un domaine qu'on traite, les sources solaires, la géothermie. Nous espérons que non seulement en Éthiopie, mais aussi dans d'autres pays, en 2022, tout cela, nous allons pouvoir nous rencontrer. Merci. Et maintenant, je m'adresse à Maxime Parchin de la Russie. Voilà, quel serait votre engagement en votre nom personnel ou en nom de votre pays? Maxime, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que... Il n'est pas avec nous, alors on va passer à Carlos, à M. Molina du Costa Rica. Est-ce que vous pouvez me présenter votre engagement maintenant?
Au nom de mon nom, donc au nom du Costa Rica, je voudrais donc prendre un engagement. Nous ne sommes pas un grand pays, mais qui a quand même des grands rêves et qui agit à grande échelle sur 25% de notre territoire. C'est un parc naturel. Notre énergie vient, la quasi-totalité de notre énergie vient de ressources renouvelables. L'année prochaine, nous allons donc fêter 200 ans de notre fonctionnement et nous nous engageons à créer un réseau éducatif pour ce bicentenaire. Donc, pour assurer l'accès à tous les élèves, à tous les étudiants, pour qu'ils puissent tous accéder à l'Internet, pour qu'aucune personne ne soit délaissée, ne soit en retard. Parce que l'accès aux technologies numériques, c'est quelque chose qui permet la réalisation d'autres objectifs, hein, que nous visons. Carlos Molina, merci. Et maintenant, voilà, donc moi, Vera Sangway, donc mon engagement, c'est pour la plateforme de communication pour l'Afrique. Nous avons déjà réussi à identifier 7 millions d'équipements, d'appareils qui fonctionnent en Afrique. J'espère que cela permettra d'accélérer la généralisation des systèmes pour l'identification de l'identité numérique. Cette plateforme existe déjà et cela nous permettra, espérons-le, de résoudre les problèmes liés à la validation de l'identité. Ensuite, le deuxième point, c'est abolir toutes les inégalités liées au sexe. Donc, nous voulons que les filles puissent aussi se former pour qu'elles puissent devenir développeurs de logiciels. Et puis, c'est la question aussi des droits d'auteur, hein, sur Internet. Nous devons donc faire tout pour que les nouvelles idées, les innovations, donc les nouvelles idées qui provenant de l'Afrique soient aussi protégées. Nous essayons aussi de travailler dans ce sens, parce que l'Afrique veut bien sûr utiliser les technologies existantes, mais aussi veut créer ses propres outils qui pourraient servir aux autres. Mais cette innovation, bien sûr, doit être sauvegardée, protégée. Donc, nous devons créer une agence qui va protéger cette idée innovante africaine. Ça devrait être notre engagement. Oui, ça serait vraiment très intéressant. Et maintenant, Henriette, Jonathan, je te remercie. La coopération avec la communauté FGI, avec les Nations Unies, avec le groupe de conseil, avec les parlementaires qui se rencontrent plus souvent qu'une fois par an, qui se rencontrent donc plus souvent, c'est une chose. Ensuite, le deuxième point, c'est la feuille de route du secrétaire général et renforcer le FGI en tant que plateforme à laquelle nous pouvons participer pour renforcer les relations de FGI avec d'autres institutions et aussi utiliser les mécanismes existants au sein de FGI, les coalitions existantes pour qu'elles soient plus efficaces, plus performantes. Nous devons aussi maintenir ces caractères en aval de FGI pour ne pas le perdre. Donc, pour que ce forum soit de plus en plus diversifié, inclusif et sûr, pour assurer un débat sûr et aussi pour que les créations, les innovations, les solutions soient aussi sûres. Merci pour cet engagement. Et tu vas aussi participer à l'autre panel qui nous reste. Et encore un engagement du Japon. Et bien sûr, le Japon va accueillir en 2023. Nous avons donc une vidéo du ministre Takeda, qui est le ministre de la Communication. Mesdames et messieurs, je m'appelle Takeda Ryota. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous pendant cette session de clôture. Je voudrais donc remercier le secrétariat et aussi le groupe consultatif pour avoir organisé ce premier FGI pendant la crise en ligne. Je voudrais remercier tous les participants et tous ceux qui ont contribué à l'organisation et qui ont aussi participé à toutes les sessions.
nous voyons que la puissance de l'Internet a été confirmée pendant la pandémie COVID-19, même pendant la crise. L'Internet unit les gens et leur permet de mener leur activité, le fonctionnement financier et réaliser les objectifs financiers. Il est tout à fait évident que la connexion à l'Internet peut avoir des conséquences pour la vie humaine. Les axes principaux de FGI 2020 vont dans le sens de généraliser l'accès à l'Internet pour que tout le monde puisse accéder, puisse être connecté, pour que notre société puisse se développer après la crise. Donc, en même temps, la pénétration de l'Internet au sein de la société, dans l'économie, tout cela pose devant nous de nouveaux problèmes, comme par exemple la confidentialité, la vie privée, le renforcement de la confiance à l'égard de l'Internet et aussi le transfert des données, la création d'un Internet commun, d'un seul Internet qui soit commun à nous tous. Hein, pour que tout cela soit possible, pour que tout le monde dans le monde puisse accéder à l'Internet, nous devons donc promouvoir l'accès libre, la circulation libre de données. C'est pourquoi nous avons donc créé et organisé ce forum ouvert. Et comme ça, le rôle de FGI, comme le forum libre ouvert où il y a différentes idées qui naissent, prend de l'importance. Dans ce sens, le secrétaire général Guterres a proposé de créer Internet Plus pour renforcer le rôle, les fonctions, les caractéristiques et aussi renforcer la discussion sur l'Internet. Donc, il faut bien sûr assurer cette gestion. Il ne faut pas que la gestion de l'Internet soit de l'amont vers le bas, mais à l'envers. Et le FGI vraiment reflète cette approche. Donc, on travaille avec tout le monde, on compare avec tout le monde pour assurer une meilleure gouvernance de l'Internet. Je suis persuadée que le développement futur de l'espace de l'Internet est possible lorsque tout le monde apprend les uns aux autres et se comprennent très bien. Le Japon va accueillir le FGI en 2023. Nous allons travailler avec cette idée de renforcer l'Internet pour le développer et avoir cette discussion multilatérale. Hein, je vous remercie. Merci pour ce message, pour cette vidéo. Nous remercions aussi tous les panélistes qui ont participé à cette première partie de notre discussion, à cette première table ronde. Merci d'avoir participé. Maintenant, on passe au deuxième panel. Je vous présente les panélistes. Dans le cadre de ce panel, nous allons donc parler comment nous pouvons travailler, coopérer mieux pour faire mieux face aux défis globaux dans une nouvelle décennie. Voilà le panéliste. Donc, M. Thomas Hendrik Ilves. Ensuite, la Fabrice Rothschild, le sous-secrétaire général. Ensuite, Vincent Lind de Google. Ensuite, Marpi, qui est le PDG de cette organisation, Valérie Yega de Kenya, Mats Granerit de GSMA, et aussi Henriette Esterhausen, représentante du groupe consultatif MAG. Je commence par le sous-secrétaire Fabrizio Rothschild, qui devra nous quitter avant. Voilà, donc comment faire pour que le FGI garde son importance, pour qu'il réagisse à ce changement rapide qui s'opère dans le contexte numérique. Merci. Il me semble tout d'abord que nous devons nous mettre d'accord sur les défis. En écoutant les interventions, différentes interventions au cours de ces quelques journées, je dirais que les défis qui sont devant nous en ce qui concerne l'accès aux technologies numériques, c'est quelque chose qu'on appelle parfois le défi du rythme, d'allure. Donc, en fait, cet écart, distension entre le développement des technologies qui n'a jamais été tellement accessible pour tout le monde, jamais dans l'histoire, on ne voyait pas de choses
pareil. Donc, pendant 20 ou 25 ans, en fait, la moitié du monde a tellement évolué. Et puis, les décideurs qui sont responsables de la politique au niveau régional, national, local, ce sont eux qui donnent l'accès à ce bien, à cet élément. Parfois, ils ont du mal à vraiment gérer cela. Donc, il me semble que ces sources libres de l'Internet, parfois, ont cette tendance à dire que voilà, la gestion est l'ennemi de la liberté. Je pense qu'on connaît tous donc le livre de Gottman. Donc, en fait, que finalement, l'absence de la liberté, finalement, donne lieu à cette tyrannie. On voit cet effet, donc ces conséquences. On voit donc, par exemple, la violation à l'égard des enfants, les abus des enfants sur Internet, l'abus de droits de l'homme ou le contrôle. Nous voyons donc cela dans différents aspects qui, parfois, bien sûr, accompagnent tous ces grands bénéfices qui sont liés à l'Internet. Donc, il faut vraiment suivre tout cela, assurer un bon rythme, la même vitesse. Donc, FGI doit poursuivre le même chemin. Et il a déjà beaucoup avancé en promouvant une meilleure inclusion, par exemple en ce qui concerne la présentation des régions, la représentation des différentes parties prenantes, le gouvernement, les sociétés civiles, etc., notamment le Sud. Mais nous devons aussi assurer une meilleure gouvernance pour que ça soit vraiment décentralisé et pour que ces liens existe quand même, c'est nécessaire. Donc, il faut agir en aval, ceci a été déjà mis en relief, mais cela légitimise les choses, mais à part cela, il faut aussi avoir des leaders vraiment puissants. Ici, le secrétaire général l'a souligné à plusieurs reprises. Et nous avons aussi besoin d'un financement plus stable, aussi un plus grand potentiel. Et là, nous devons donc abandonner petit à petit ce vieillissement progressif, mais c'est vraiment, ça doit être un processus qui se passe au fur et à mesure que les événements s'opèrent, parce que l'Internet vit à chaque minute. Donc, on ne peut pas se rencontrer une fois par an. C'est ma suggestion. Je sais que beaucoup de choses ont déjà été faites et je m'engage à soutenir ce travail. Je vous remercie. Merci Fabrizio. Ce sont des remarques très importantes qui se réfèrent justement au rythme de changement. J'ai bien aimé cette analogie que vous avez faite. Je vous souhaite beaucoup de succès à ta nouvelle position. Maintenant, Thomas Henrik Ilves, nous avons déjà eu l'intervention de la part des Nations Unies. Maintenant, Monsieur Ilves, c'est-à-dire, il va nous dire ce qui doit se faire sur le forum de l'IGF dans ce domaine. Merci beaucoup. Premièrement, je suis ravie que les Nations Unies aient organisé ce forum de gouvernance de l'Internet, mais ça doit être quelque chose de plus qu'un processus. Bien sûr, beaucoup d'idées intrigantes ont été soulevées, mais je voudrais me concentrer sur la manière de coopérer. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Oui, parce que un signe est apparu sur mon écran. Bon, il y a un défi à relever, eh bien, c'est-à-dire comment étendre les possibilités de l'Internet, comment assurer l'Internet au reste du monde. Je ne sais pas si nous comprenons bien à quel point c'est une question clé. Il y a beaucoup de questions banales qui apparaissent, mais il faut comprendre que le développement du 20e et 21e siècle a été fonction du développement de l'infrastructure physique, des routes et d'autres connexions. Mais maintenant, nous avons affaire à de l'ère numérique. Nous n'avons pas besoin seulement d'infrastructures physiques, mais aussi de logiciels. Bien sûr, nous avons besoin de haut débit, de couverture d'haut débit, etc., des fibres optiques, mais aussi nous avons besoin beaucoup d'autres choses différentes. On a déjà parlé de synergie de différentes parties prenantes, de synergie entre nos solutions.
entre sujets, eh bien, à part cela, l'on veut se développer de manière à créer des logiciels sûrs, créer une bonne identité numérique pour introduire les architectures et les logiciels, les architectures de données en gardant la vie, sauvegardant la vie privée. C'est maintenant possible. C'est dans l'éventail de nos possibilités depuis 20 ans. Nous savons que c'est à faire et nous savons qu'il faut garantir les droits de l'homme en ligne. Mais est-ce que nous le faisons effectivement dans le contexte d'intégralité de données de la vie privée? Ce ne sont pas des mots vides. Ces solutions existent déjà et ne sont pas très coûteuses. Beaucoup plus souvent qu'auparavant, nous pouvons maintenant profiter de ces solutions-là. Elles existent déjà. Ce qui est très important maintenant, que, par exemple, une solution qui est maintenant déjà bon marché sera encore meilleur marché dans l'avenir. Dans mon pays, nous avons numérisé toute la gestion, toute la gouvernance du pays. Et maintenant, il s'avère que ce système est beaucoup plus profitable qu'avant. Trois choses ne peuvent pas être faites dans mon pays en ligne. Se marier, divorcer et acheter de l'immobilier en ligne. Et donc, le reste peut être fait en ligne. Ici, en ce qui concerne la réaction au COVID-19, la vie privée, l'intégralité deviennent des questions clés. Ça concerne notamment la suivi de contact, l'intégration, l'intégralité des systèmes. Et donc, ce qui est très important, c'est la sécurité des vaccins et les chaînes de livraison des vaccins. Nous savons qu'il faut faire tout pour que ça ait lieu pour prévenir les catastrophes que nous avons observées dans le passé. Bien sûr, il y a toutes sortes de solutions qui sont disponibles. Mon pays offre ce genre de solutions gratuitement. Nous offrons gratuitement notre logiciel qui sont utilisés par d'autres pays. Ces choses-là ne sont pas vraiment très chères, donc nous sommes capables de faire des pas considérables dans ce domaine, faire du progrès si nous décidons qu'il faut le faire, s'il y a de la volonté politique pour ce faire, pour créer des identités numériques sûres. Sinon, si on assure un cryptage adéquat, on aura affaire à ce moment-là une architecture correcte. Il y a beaucoup de modèles qui le précisent d'ailleurs. Donc, nous pouvons appliquer les technologies les plus modernes pour le réaliser. Nous avons aussi des solutions de type blockchain pour garantir l'intégralité des données. Je dirais donc que de la perspective de technologie, nous n'avons pas vraiment beaucoup d'éléments ou de pas à faire encore. Il y a des choses qui peuvent se faire d'un jour à l'autre. Et les Nations Unies, c'est un forum où l'on peut décider de ce genre d'activité. Je voudrais aussi dire que les Nations Unies, c'est un endroit, c'est un forum où il faut vraiment travailler sur l'évitement de la fragmentation de l'Internet. L'accès à l'information et sa fragmentation va seulement approfondir les divisions qui se sont terminées la guerre froide. Tout ceci a changé des millions, des milliards de vies humaines. Tout ceci ne serait pas possible sans interconnectivité numérique. Il faut le garder. C'est notre bien qu'il faut garder. C'est justement la tâche pour les Nations Unies, surtout dans le contexte de cette crise de santé où nous savons qu'une bonne connexion à l'Internet nous a permis de rester en contact lors de la pandémie et sûrement diminuer des dégâts liés à la pandémie, des dégâts de nature économique. J'ai dit que nous avons en général
beaucoup de points, beaucoup de méthodes d'agir, mais il faut ne faut pas perdre de vue nos valeurs. Il faut toujours penser à l'état de droit, aux droits de l'homme, à la démocratie. Dans l'ère numérique, il faut augmenter la confiance et la sûreté de l'Internet. Tout ceci est possible grâce à l'application des solutions technologiques qui garantissent la confiance et la sécurité. La règle est telle que l'Internet doit d'abord servir les citoyens et après aux entreprises et après au gouvernement. Donc, les droits de l'homme sont aussi bien importants maintenant qu'en 1945. Je suis totalement persuadée que le nouveau forum de gouvernance de l'Internet va trouver un consensus global sur le maintien d'un Internet global décentralisé. Merci beaucoup. Thomas Hendrik Ilves, il a été très intéressant de voir votre présentation, une présentation d'un pays qui a fait beaucoup, beaucoup de progrès, l'un des pays les plus jeunes. Maintenant, on peut passer à Valérie Riega, la représentante des jeunes, la plus jeune participante. Je voudrais voir comment tu vois le développement de l'Internet selon toi. Comment ça, les choses vont se présenter en 2025? Merci. Merci à tout le monde. Merci à d'autres participants d'être avec nous sur cette plateforme et sur d'autres plateformes. Eh bien, selon moi, il est important de dire que les jeunes, ce n'est pas un groupe homogène. Ils proviennent des endroits, des régions différentes. Ils ont des histoires et des besoins différents. Mais lorsqu'on parle de l'avenir, du point de vue des jeunes, il faut d'abord savoir quels sont les objectifs, pourquoi les jeunes gens utilisent l'Internet. C'est le business, les droits de l'homme, l'éducation, l'emploi, l'accès à l'information. Surtout dans le contexte de la pandémie, beaucoup de personnes ont dû se connecter aux plateformes numériques pour réaliser leurs objectifs vitaux. Mais comme ça a été déjà dit, le sujet lié à l'accès touche d'autant plus les jeunes maintenant parce que l'accès à l'Internet dans les pays africains est beaucoup plus différent que dans d'autres pays, des pays développés. En regardant vers l'avenir, il faut se demander ce qui doit être fait sur des forums comme celui-ci pour les jeunes. Et nous sommes vraiment reconnaissants à l'IGF qu'on puisse participer dans ce genre de forum. Et je voudrais aussi dire que UNECA se concentre sur la construction de l'identité numérique sur tout le continent africain, ensemble avec Mauricia, l'une des ambassadrices, et avec un groupe de jeunes gens. Eh bien, nous le faisons et nous sommes vraiment ravis que l'ONU existe et qu'il travaille avec les gouvernements et les entreprises concernées pour participer au processus de décision. Eh bien, ceci dit, l'on voudrait souligner certaines initiatives des jeunes gens, surtout par rapport à l'IGF. Nous avons aussi la coalition des jeunes pour la gouvernance de l'Internet qui, eh bien, s'occupe du mentoring. Nous avons aussi des solutions de type digital grassroots pour assurer un meilleur accès à l'Internet. Nous avons aussi pu observer ce que font les jeunes au niveau régional et local dans le cadre des coalitions NFI, par exemple, des coalitions régionales pour que tout ce qu'ils font est de l'importance pour les communautés locales. Comme j'ai déjà dit, il faut travailler davantage avec les jeunes avant l'IGF suivant parce que l'Internet est aussi fait en grande mesure pour les jeunes et nous voulons faire partie de ce processus d'organisation, d'élaboration de panels et de documents. Il ne s'agit pas seulement de participation des jeunes gens dans les panels, mais il faut qu'on se mette tous à table pour que le rôle des jeunes gens soit plus élevé, à un niveau plus élevé. Il faut aussi voir comment les jeunes gens pensent de façon globale et agissent au niveau local, ce qui nous permet d'avoir différents groupes au niveau de la société d'information qui sont en lien avec leurs homologues ailleurs dans le monde pour parler du lien entre la technologie, du développement du monde des affaires. Ça a une grande importance et nous, en tant que partie prenante, nous devons être capables de voir ce que font les jeunes gens pour ou au profit de leur communauté. À part cela, nous voyons
ce que introduisent les jeunes gens dans le contexte de l'Internet, tels que, par exemple, le cryptage, la violation des droits de l'homme. C'est très important, on l'a déjà dit, c'est-à-dire il faut que l'IGF soit un endroit sûr pour que les gens se sentent sûrs au sein de ce forum, où, par exemple, les droits de l'homme sont respectés, où l'on peut discuter librement, par exemple, de ce qui se passe au Nigeria, s'il y a des violations des droits de l'homme, et comment les jeunes gens peuvent s'organiser sur Internet pour qu'on puisse les sensibiliser. Les jeunes gens s'organisent justement de cette manière-là. Et la dernière question sur le mentoring, plus qu'avant, les jeunes pour les jeunes, ils agissent pour les jeunes. Et on parle ici aussi de cela dans le contexte de la gouvernance de l'Internet. Il faut donc se répondre à la question, ce que nous faisons, il y a des mentors qui attirent d'autres jeunes, qui leur donnent la possibilité de s'exprimer, qui leur montrent quelles sont les possibilités d'une telle coopération. Je suis vraiment reconnaissante pour l'Internet. Nous voulons parler avec les gens de Corée, du Vietnam, d'Égypte. Ce sont tous des jeunes gens qui apparaissent dans cet espace. C'est un espace commun pour nous tous, quelle que soit notre origine. Et enfin, des groupes de jeunes, des minorités jouent un rôle considérable dans ce domaine de rapprochement et de coopération et aussi dans le domaine de l'éducation. Je voudrais partager l'expérience de ce qui s'est passé au Kenya, eh bien, dans le contexte de notre école de gouvernance sur l'Internet et ce qui peut être fait là-bas. Parce que nous, en tant que jeunes, nous voulons vraiment participer à l'IGF et dans l'avenir, Jonathan, nous aurons besoin de plus de jeunes gens dans cet espace pour que ces jeunes aient la position qui leur permettrait d'avoir une vraie contribution au sein de l'IGF. Merci, merci. Maintenant, Vinserf de Google. Eh bien, beaucoup de priorités ont été mentionnées, des questions importantes ont été soulevées. Qu'est-ce que, selon toi, doit être le sujet numéro un pour assurer un progrès considérable? Merci, Jonathan. Tout d'abord, je voudrais commencer par mes félicitations à l'IGF et à toute son équipe de son succès technique de cet événement. Tout ceci a été très bien organisé. L'équipe technique nous a bien tout organisé, mais aussi l'interprétation est de très bonne qualité. J'en suis vraiment reconnaissant. À part cela, je voudrais passer à l'expression de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire à ce que l'Internet soit à la fois sûr et ouvert. L'ouverture et la sécurité est un défi, mais comment le garantir? Bien sûr, nous revenons ici à la définition de ce qui est considéré comme sécurité, comme sûr. En tant qu'ingénieur, je me pose la même question qu'un homme politique. La question maintenant suivante de la fragmentation, ce sujet, c'est un sujet récurrent aujourd'hui, mais lors des sessions précédentes aussi, c'est un vrai défi, une vraie menace, parce que la fragmentation peut nuire aux profits apportés par l'Internet qui sont liés notamment à un flux libre d'information, un flux transfrontalier. Donc, il faut faire tout pour éviter cet effet nocif de fragmentation. La troisième question, le dialogue multilatéral, ça a toujours une grande importance pour la préparation de nos mesures. Par exemple, si l'on demandait quelqu'un dans la rue, quelle est l'importance de la mission publique pour toi? Une question à un citoyen ordinaire, on pourrait lui poser cette question concernant aussi l'Internet. Je pense que le secrétaire général Guterres, dans son intervention, a traité ce sujet de façon très complexe. Et je pense qu'il l'a très bien exprimé. La souveraineté numérique comme sujet est aussi apparu. Et c'est un sujet très attirant, mais j'ai bien peur qu'il peut être interprété de façon erronée et peut-être il peut avoir un impact sur la fragmentation. Je suis d'accord qu'il faut appliquer des solutions locales pour des problèmes locaux, mais pas au détriment de l'interopérabilité des ordinateurs et des réseaux
qui rendent l'Internet utile. Et la dernière question, notre tâche aujourd'hui, que, comme ça a été déjà dit auparavant, c'est qu'il faut atteindre un forum. Il faut que l'Internet soit inclusif, pas cher, interopérabilité, basé sur l'interopérabilité et ouvert. Merci beaucoup. Jonathan, on ne vous entend pas. Merci, Vince. Une question rapide. Deux minutes et demie pour ouvrir un site Internet, le site Internet Google en Afrique. Comment résoudre ce problème-là? Eh bien, nous essayons de résoudre ce problème du point de vue technique. Eh bien, peut-être l'on peut changer le système et les sources de cryptage. Bien sûr, la réponse, c'est plus de haut débit, plus de capacité. Nous avons réalisé des mesures dans ce domaine. Il s'agit ici de grands réseaux de fibres optiques comme au Ghana. Une telle vente, en gros, permet de mieux vendre l'Internet comme produit. À part cela, nous assurons une meilleure transmission du 4G, du Wi-Fi, du 5G. Donc, ça aussi a un impact sur la résolution de ce problème. Mais la vraie réponse, c'est l'investissement et le développement des compétences, du potentiel et le rabaissement des coûts. Tout ceci va faire baisser les prix pour tout le monde. Merci, Vind. Merci. Maintenant, passons à Goran de ICANN. Je te pose une question, Vind. Quelles sont tes priorités? Merci. Eh bien, il faut toujours essayer de voir de quelle direction nous avons le vent. Souffle-t-il ou vers quelle direction il souffle? Alors, il faut aussi se répondre à la question comment définir un problème précis. Je pense que l'IGF s'est déjà référé à cette question. L'un des problèmes, il est au fait que nous n'avons pas suffisamment de connexion, de connectivité dans le monde, surtout là où l'Internet n'est pas suffisamment développé. Vint en a déjà clairement parlé. Mais il faut aussi savoir une chose, comment définir l'Internet en tant que tel. La façon dont je le définis, c'est que l'Internet n'existe pas comme une entité. Ce sont des centaines de milliers d'éléments différents. Et c'est nous qui avons la contribution dans tout cela. Ça permet la communication entre les gens, entre les outils. C'est ça l'Internet pour moi. Et donc, il faut aussi savoir qu'il y a des fake news, qu'il y a de la désinformation. Tout ceci se passe, ça a lieu sur les réseaux sociaux. À part cela, lorsqu'on, par exemple, entre sur une plateforme de réseautage social, on se retrouve dans un endroit tout à fait différent. Nous avons oublié un facteur très important. Il y a des choses différentes qui se passent dans un environnement différent selon l'environnement. Il faut y réagir. Par exemple, l'handicap ou l'impossibilité de changer de réseau ISP ou réseau mobile, le passage d'une partie de l'Internet vers une autre, eh bien, souvent, on parle d'éléments globaux, du caractère global de l'Internet, mais ce qui est important aussi, c'est le caractère local. Lorsqu'on parle de l'utilisation de l'Internet, lorsque ma fille veut communiquer avec moi, elle est très locale, elle agit de manière locale, elle communique à travers les médias sociaux. C'est très typique, donc c'est quelque chose de très local. Ce que nous voyons maintenant, c'est que en pouvant être en ligne, nous transférons des solutions globales vers le niveau local. Donc l'Internet doit être à la fois global et local en même temps. L'on peut dire que les gens doivent utiliser le clavier pour comprendre ce qui se passe. Les symboles doivent être universels, compréhensibles. Ils ne doivent pas être
contraint à écrire d'un autre côté vers un autre. Les gens sont intelligents. Et donc maintenant, nous passons à la partie dédiée à l'investissement. Eh bien, je fais partie de l'institution régulatrice des télécoms et je réponds à la question liée à l'investissement. Donc, il faut qu'il y ait un besoin et des objectifs précis. Les gens du monde entier doivent avoir la possibilité d'avoir accès à des plateformes et à des solutions précises. Maintenant, en grande mesure, nous travaillons de plus en plus sur des forums différents et nous considérons que les gens auront la possibilité d'agir de manière locale. Mais après, nous nous retrouvons à un niveau commun, nous avons un langage commun. Et il faut garantir que l'alternative ne se créera pas parce qu'il faut que ce soit global. Si l'Internet reste local seulement, il sera fragmenté. On va détruire l'idée qui est à la base de l'Internet, c'est-à-dire d'éduquer les gens. Toute la conversation lors des sessions de l'IGF a été très intéressante, non seulement du point de vue technique, mais du point de vue que nous nous sommes rencontrés. Il y a de plus en plus de débats approfondis sur ce genre de problème, comment créer ce genre de connexion et comment quelque chose peut être à la fois global et local. Nous sommes maintenant, on peut observer aussi toute une série d'autres débats sur d'autres forums. Et lorsque nous transférons un service au monde, il faut que tout le monde ait la possibilité de l'utiliser. Donc, il faut avoir ce type de reconnaissance des réalités. Après, nous sommes passés au problème. Il ne s'agit pas seulement de l'Internet. Il y a des problèmes qui sont seulement présents, non seulement sur Internet, mais aussi ailleurs. C'est le débat qui doit continuer. Merci. Merci, Ingoran. Maintenant, je passe à Mats Granerit. Donc, la question est à peu près similaire. Une chose qui doit être faite pour renforcer la coopération entre les pays, entre les États, notamment ceux qui ont des problèmes économiques plus importants. C'est un grand plaisir pour nous de pouvoir vous voir, vous rencontrer. Je m'excuse auprès de notre collègue, donc si ta fille préfère d'utiliser les médias sociaux plutôt que parler tête à tête, alors comment nous faisons pour assurer la coopération et inclure ici le processus décisionnel? Donc, nous sommes capables d'unir deux tiers de la totalité de l'humanité. Et nous avons une grande contribution dans le PIB global, donc ça veut dire que nous avons une grande charge. Et les connexions mobiles sont devenues cette année particulièrement importantes pour pouvoir poursuivre les affaires. Mais en ce qui concerne la coopération, c'est là, il y a toujours cette fracture, cette fracture numérique qui existe. Environ 50% de la population du monde sont connectés à l'Internet, mais il y a cette 50% restant qui n'ont pas d'accès. Et ceux qui utilisent l'Internet utilisent soit l'Internet mobile, soit les appareils mobiles, comme c'était déjà dit. Environ 4 milliards de personnes dans le monde ne sont pas connectées à l'Internet. Moi, je considère, nous considérons que cela constitue le plus grand défi qui est devant nous. Donc, pour que les 4 milliards de personnes qui ne sont toujours pas connectées, c'est la fracture. Donc là, tout d'abord, la fracture d'accès. Donc, ce sont les gens qui sont en dehors de la couverture de la bande large. Lorsque je parle de la bande large, c'est 3G ou 4G ou 5G. Et 700 millions, c'est le manque de couverture. Après, le deuxième point est lié à l'utilisation. Donc, les gens habitent qui est couvert, mais quand même, ils prennent la décision de ne pas l'utiliser. Cela veut dire que notre secteur a pris des actions assez importantes pour combler la fracture numérique. Des sommes énormes ont été investies dernièrement pour que 1 milliard de personnes de plus soient connectées, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est toujours pas suffisant. Donc, je vous encourage à agir pour combler cette fracture qui est plus grande, qui concerne
l'utilisation, donc pour abolir les barrières qui pourraient donc améliorer l'accès et augmenter le trafic. Et finalement, il est important aussi de terminer ce type d'action. Donc, il s'agit de 3,4 milliards de personnes, donc les personnes qui n'utilisent pas l'Internet auquel ils ont accès. Donc, par exemple, c'est trop cher ou par exemple, ils n'ont pas de compétences. Le manque de compétences, c'est moins important quand même. À part cela, il y a aussi la question de la vie privée, de la sécurité. Ce qui paraît encore plus important, c'est l'absence de contenu significatif du point de vue local. C'est aussi un élément important et si tendance se poursuit, plus de 40% de personnes dans les pays plutôt pauvres seront toujours offline. La seule solution pour ces personnes, ce sont les solutions mobiles qui sont liées à ce type de possibilités. 1,1 million de dollars américains seront investis par nous d'ici 2025, ce qui nous permettra d'installer le matériel 5G. Il y a donc des petits problèmes techniques ici. Donc, il faut combler la fracture numérique. Nous ne pouvons pas résoudre cela différemment. Nous ne pouvons pas donc atteindre les objectifs du développement durable si cela n'est pas atteint. 2020, bien sûr, a renforcé les liens existants entre l'avancement technologique et la promesse pour l'homme. Je vous remercie. Merci, Mats. Et maintenant, je m'adresse à la fin à Andriette. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour combler cette fracture numérique? Merci à Jonathan. Il serait très difficile d'ajouter quelque chose qui pourrait ajouter de nouveaux éléments, mais je veux commencer par un constat suivant. Donc, l'FGI ne devrait pas sous-estimer la complexité du problème. La complexité, les difficultés pour atteindre un consensus. Ça, c'est très important. Donc, l'FGI a été créé pour faire face à des problèmes, à la complexité des choses. Et même si nous avons une compréhension du problème, nous ne sommes pas toujours d'accord. Donc, par exemple, on a des idées différentes sur, par exemple, la façon dont on peut protéger l'Internet ou comment le renforcer. Je pense que bon, moi et Fabrizio, donc plusieurs personnes ont touché cette problématique. Il y a donc différentes opinions concernant le rôle de l'Internet pour la démocratisation et pour le droit de l'homme. Donc, il y a des pays qui considèrent que l'Internet donc, est une plateforme utilisée par le régime autoritaire. Il y a aussi, donc l'Internet est aussi utilisé, par exemple, pour critiquer le gouvernement, ce qui autonomise les gens. Il y a donc parfois des opinions qui s'opposent les unes aux autres. En ce qui concerne l'accès à l'Internet, ce n'est pas tellement facile. Nous savons quelles sont les solutions possibles. Nous savons que nous avons besoin de pouvoir être flexibles. Nous savons que la couverture, la pénétration des réseaux mobiles commence à être de plus en plus forte. Nous savons que les réseaux mobiles sont aussi une bonne solution. Nous savons aussi que nous avons besoin d'investissements publics, aussi bien en ce qui concerne le contenu que les compétences. Et pourtant, ce sont les choses qui ne s'opèrent pas. Donc, les réseaux sociétaux existent, mais bien souvent, il n'y a pas de licence. Il manque de licence, d'investissement, il manque de moyens. Donc, je ne suis pas cynique dans ce que je veux dire, dans ce que j'ai dit, mais je voudrais dire que trouver des solutions, cela nécessiterait qu'on heurte et qu'on surmonte un mur politique. Parfois, cette volonté politique est difficile à trouver. Nous devons donc renforcer la coopération au niveau global dans le cadre de la communauté numérique, mais aussi en dehors de cette communauté. Nous devons aussi renforcer la coopération au niveau régional et national, local aussi. Je ne sais pas si Fabrizio est toujours avec nous, mais je pense que cette approche en aval, c'est non seulement la question de légitimiser les choses, mais c'est aussi la question de régler
les choses, parce que c'est là-bas en aval que les choses se font, c'est là-bas que les réseaux se créent, c'est là-bas que tout cela se fait, donc les échanges sur Internet, c'est là que les compétences naissent. Donc c'est quelque chose qui se développe au niveau le plus local possible. Donc ça, c'est très important, ça c'est un élément très important de l'Internet. Bien sûr, la coopération globale est importante, mais après, il faut descendre à ce niveau très, très local. Il me semble que le FGI, les initiatives locales, peuvent jouer un rôle très important dans ce sens-là. Donc voilà, poursuivons cela, facilitant les choses, mais aussi, il faut avoir aussi le courage pour l'avenir. Merci. Merci. Henrietta, voilà, donc les défis locaux sont très importants. Et maintenant, il est temps pour les engagements par nos panélistes. Donc voilà, réfléchissez un petit moment qui voudrait s'engager à quoi, au nom de son nom personnel, au nom de son organisation. Je commence par Monsieur le Président. Quel serait votre engagement, Monsieur le Président? Voilà. Le micro est atteint. Voilà, donc c'est bon. Donc il faut cliquer deux fois. En ce qui concerne notre Académie de la gestion de gestion de e-gouvernance. Moi, je suis un membre de cette académie qui existe depuis 20 ans, qui apprend les gens du monde entier, notamment les fonctionnaires de différents pays. Cette académie donc les apprend donc les bases de la digitalisation, numérisation. Nous avons aussi envoyé nos représentants partout où ils étaient nécessaires. Et ici, donc, le financement gouvernemental que nous obtenons nous permet aussi de faire aussi différentes visites, de financer. Bon, à part cela, il y a le financement européen, il y a le financement qui vient d'autres sources internationales. Tout cela veut dire que nous pouvons aussi envoyer nos représentants pour qu'ils aident à réaliser différents projets à long terme visant la numérisation partout dans le monde. Donc, maîtriser les compétences de base. Bien sûr, bon, on ne parle pas de base, de vraie base de l'Internet, mais quand même, on parle ici des compétences de base concernant, par exemple, le contrôle de l'identité, quel type d'architecture il faut assurer. Comment assurer l'intégrité de données sur Internet? Voilà, donc on traite toutes ces thématiques parce que les solutions que nous utilisons dans notre pays sont basées sur le logiciel open source, donc qui est gratuit. Différents pays doivent bien sûr s'engager qu'ils vont créer sur la base de ces infrastructures les systèmes et qu'ils vont le faire eux-mêmes. Nous coopérons avec une trentaine de pays. Notre académie soutient toujours les pays avec un grand plaisir, donc les pays qui sont vraiment intéressés par la numérisation de leurs services et aussi le service privé. Merci. Donc, l'ex-président de l'Estonie est maintenant notre panéliste la plus jeune, donc Valérie Jäger. Est-ce que tu es toujours avec nous? Donc, quel serait ton engagement pour l'avenir? Merci, Jonathan. Quel serait mon engagement? Moi, mais aussi les jeunes. Je pense qu'on devrait être plus représentés dans le processus FGI pour ce qui concerne la prise de décision, mais aussi pour ce qui concerne la participation aux sessions qui sont les plus importantes et qui ont le plus grand impact. Aussi, les actions locales, les démarches réalisées au niveau local, régional, il faut que ça soit renforcé. C'est quelque chose à faire dans l'avenir. Merci, Valérie. Maintenant, Vincer, j'espère que tu es toujours avec nous. Quel serait ton engagement? Moi, je voudrais me référer à deux choses ici. Donc, premièrement, on m'a promis
de passer moins de temps en regardant le problème, je pourrais me concentrer plutôt sur la résolution des problèmes. Donc, il faut d'abord parler pourquoi quelque chose fonctionne, ne fonctionne pas, si ça cloche, pourquoi ça cloche. Donc, moi, je suggérerais, Valérie, aller dans le même sens, il faudrait engager plus de personnes dans la résolution des problèmes. Parce qu'ils sont trop jeunes pour savoir que ce n'est pas faisable. Donc, les jeunes devraient résoudre les problèmes. Voilà, le désengagement, je les aime bien, je les apprécie. Et maintenant, Yamabi. Donc, je voudrais tout d'abord dire qu'on va poursuivre notre engagement dans la coopération avec le FGI. Il nous paraît que c'est une plateforme très importante qui permet vraiment de faire de bonnes discussions et c'est un endroit très bon pour les échanges. Encore un engagement, ce que nous augmentons nos efforts en ce qui concerne la coopération avec le fournisseur du logiciel, du matériel qui sont nécessaires du point de vue pour généraliser l'Internet au niveau local. Beaucoup de choses techniques doivent coopérer les unes avec les autres. Donc voilà, ce serait notre engagement. C'est donc la question un peu tactique, stratégique, pour que chacun finalement puisse accéder à l'Internet avec sa langue, sa propre langue. Merci. Et je pense au deuxième Suédois, Mats. Tu pourrais prendre ton engagement maintenant? Oui, merci, Jonathan. Alors, je reviens à ce que Vint nous a dit. Donc, nous devons être à l'écoute des jeunes. Il faut vraiment les écouter et apprendre aux jeunes. Parce que eux, ils sont de l'avenir, c'est sûr, mais ils n'ont pas commis les erreurs qui sont les nôtres. Donc, il faut les écouter. Et j'espère que d'autres collègues, mes collègues du monde d'affaires, seront aussi à l'écoute des jeunes. Bien sûr, dans notre secteur, dans notre filière, nous devons bien sûr améliorer les technologies. Et la bande. Mais il faut être à l'écoute des jeunes. Oui, Matt, c'est un très bon conseil. Encore Henrietta, qui a déjà pris un engagement, mais peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose. Je pense que peut-être je pourrais promettre que le FGI doit être intergénérationnel. Je suis d'accord avec Vint. Oui, les jeunes, il faut qu'ils s'engagent. Ils ont du courage. Eux, ils veulent aller au. Ceux qui sont peut-être plus âgés ne voudront plus aller. Donc ça, c'est très important pour le FGI. Jonathan, pour travailler en faveur de FGI, malheureusement, il y a des coupures, il y a des problèmes techniques. Bon, voilà, il y a des problèmes avec l'Internet. D'accord. Bon, très bien. Alors, je voulais juste dire que nous devons inclure plus de personnes à part les bulles qui existent déjà. Donc, cela va améliorer notre coopération. Il ne faut pas perdre cette communauté qui existe déjà. Il faut donc renforcer notre caractère en amont et en aval. Voilà, nous avons saisi. Oui, merci pour la persévérance. Je remercie à toutes les personnes, à tous les panélistes pour cette partie de notre session de clôture. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Nous avons encore deux engagements qui ont été faits sur vidéo. Simona d'abord, de la Confédération suisse.
Brad Smith. Je m'appelle Brad Smith. Je suis présidente de Microsoft. Je pense qu'il est temps de prendre des mesures urgentes, rapides, un temps où il est important d'agir dans le secteur technologique. Il faut faire davantage et utiliser les technologies afin que le monde soit plus accessible à tout le monde sur notre planète. C'est pour cela qu'au sein de l'entreprise Microsoft, nous avons élaboré une liste d'engagement dans le cadre du programme Urban qui a pour but de réduire les coûts de l'Internet et en élargir l'accès grâce à un haut débit plus répandu. C'est un temps qui nous appelle à non seulement penser à un accès à tout le monde, mais à donner des compétences et des qualifications pour que cet Internet soit utilisé de façon plus productive. Dans le monde entier, l'emploi de l'avenir va requérir de plus en plus de capacités numériques. C'est pour cela qu'au sein de Microsoft, nous voulons faire cet engagement d'obtenir 25 millions de personnes d'ici la fin de l'année qui vont être capables de fournir des services développant les compétences numériques. Il faut aussi tenir compte du fait que le problème principal de cette décennie, la décennie à venir, c'est de subvenir aux besoins de notre planète liés au climat, au développement durable. C'est pour cela que nous nous engageons à ce que notre empreinte carbone soit négative d'ici l'année 2050. Il faut se débarrasser de tout le CO2 émis par Microsoft dès le début de son existence, dès l'année 1975. Il faut aussi créer de telles ressources technologiques qui vont être au profit de nos clients, de nos citoyens dans le monde entier pour réduire leurs propres émissions de CO2. C'est pour cela que l'on veut créer ce qu'on appelle un ordinateur planétaire, une base de données planétaire qui peut être ouverte à toutes les communautés du monde entier pour que chaque communauté puisse gérer sa propre biodiversité plus qu'avant. Tels sont les défis à relever dans l'avenir et ils demandent plus d'efforts, plus de coopération, ce qui est lié justement au caractère de l'IGF. Et nous, en tant qu'entreprise, nous soutenons non seulement l'appel du secrétaire général à ce que l'IGF devienne plus important, mais nous, en tant qu'entreprise, nous nous engageons davantage. Nous voulons être un participant de plus en plus actif et critique dans ce processus. Merci, Brad Smith. Merci, le président de Microsoft. Et maintenant, regardons quel est l'avenir de l'IGF? Maintenant, M. Marek Zagórski, le ministre polonais, qui va nous dire quelques mots sur la réunion suivante en 2021 en Pologne. Chers invités, mesdames et messieurs, participants de cette réunion virtuelle de l'IGFC, l'écrivain connu Stanisław Lem, un futurologue, vivait maintenant. Il ne serait vraiment pas surpris en nous voyant parler à nos ordinateurs. Je l'ai mentionné parce que l'année prochaine, nous allons célébrer le 100e anniversaire de Stanisław Lem. Il est connu de son livre Solaris. Pendant des décennies, il a été l'inspiration non seulement des enthousiastes de science-fiction, mais aussi de toute la communauté Internet. On peut dire que la Cyberiade de Lem a inspiré beaucoup de créateurs de jeux d'ordinateurs, par exemple Sims. Maintenant, la gouvernance de l'Internet est une question clé, et la clé pour obtenir le développement durable. Grâce à l'Internet, nous sommes capables de se rencontrer de façon sûre en ligne. Nous avons dû nous rencontrer à Katowice cette année déjà, mais malheureusement à cause de la pandémie, ceci ne s'est pas fait, mais ce temps nous a fourni beaucoup de nouvelles expériences. Cette année c'était un peu différent, mais c'était très bien. La ville de Katowice
à l'époque où Lem écrivait ses livres, était le centre minier de Pologne. Beaucoup de choses ont changé à partir de ces temps-là, et maintenant, c'est une ville très vivante de nouvelles technologies. Et c'est une ville qui est aussi connue pour être le hub de l'industrie du gaming, des enthousiastes du gaming. Et c'est sur cela que l'on voudrait construire la vision et l'image de cette ville avant la réunion qui aura lieu en 2021. Et je suis persuadée et sûre que ça déroulera de manière physique en décembre l'année prochaine. Vous aurez l'opportunité, la chance de voir quelle est l'hospitalité de cette région, goûter à la cuisine locale. IGF 2021, ce sera réalisé sous l'égide de l'Internet ouvert, uni, sans division, où l'on protège la vie privée des utilisateurs. Tel est le thème principal. Nous voulons aussi attirer de nouvelles communautés à ce forum, et ici je me dirige surtout aux jeunes. Soyez avec nous l'année prochaine. Votre voix va être une voix clé dans ce débat très intéressant, très important. Nous voulons écouter votre voix. Chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier le département des affaires de l'ONU et le secrétariat de l'IGF pour leur engagement dans l'organisation de cette édition en ligne de la réunion de l'IGF en 2020. Félicitations, merci pour cette réunion très fructueuse. Je suis ravie que l'on pourra continuer notre dialogue ouvert à chaque niveau et dans toutes les dimensions possibles. Dans ces temps très difficiles, l'IGF est pour nous maintenant le forum idéal pour mener ce genre de débat, pour faire un effort commun sur l'élaboration des solutions communes. Une approche inclusive, multilatérale, cet esprit inclusif du forum IGF est notre ressource principale. Et maintenant, du point de vue pratique, moi-même et mon collègue Krzysztof Schubert, qui est le plénipotentiaire du gouvernement polonais pour l'organisation de l'IGF 2021, et toute notre équipe qui en est chargée, nous sommes tous à votre disposition si jamais vous avez des suggestions sur la réunion suivante à Katowice. Au revoir à Katowice. Merci. Merci, Monsieur Marek Zagórski. J'espère qu'on sera tous présents à Katowice et ça témoignera de notre solidarité dans ce temps difficile. Maintenant, les conclusions de clôture. Liu Jimin, secrétaire général des affaires économiques et sociales, qui a ouvert notre session. Maintenant, quelques remarques de clôture. Oui, merci Jonathan, ravi de te voir. Nous nous sommes vus déjà la semaine dernière, Excellence, chers participants, collègues du monde entier. C'est un honneur pour moi de se joindre à plus de 6000 personnes de plus de 170 pays ayant participé à cette réunion de l'IGF. Virtuellement ensemble, tel a été notre mot d'ordre. On a réussi à le réaliser. Lors des réunions en ligne, nous avons rencontré beaucoup d'amis ou fait de nouvelles connaissances. Nous nous sommes rappelés que le monde est en train de ressentir les conséquences dévastatrices du COVID-19. Nos sociétés souffrent à cause de confinement et à cause du nombre augmentant d'infections. Et à cause de cela, nous passons de plus en plus vers le monde virtuel, de la distanciation sociale vers l'éducation en ligne. Le secrétaire général Antonio Guterres a dit que la pandémie du COVID-19 a montré l'importance des technologies numérique et de la transformation numérique, à quel point il est urgent d'attribuer un nouveau rôle à l'IGF, renforcer son rôle pour qu'on puisse proposer des solutions à des problèmes existants. Un débat très vif qui a eu lieu cette année se référait surtout à la gouvernance de l'Internet dans un temps d'incertitude. Je pense que les conclusions principales de l'IGF de cette année, c'est surtout que
Premièrement, on ne peut pas départager la digitalisation du développement durable, et encore plus qu'avant, nous avons besoin de coopération. Ce sont des choses critiques du point de vue de la gouvernance et aussi du point de vue de l'inclusion de l'environnement, que ce soit quelque chose d'inclusif pour plusieurs secteurs, plusieurs générations. Il faut appliquer une approche multilatérale tenant compte de toutes les parties prenantes et continuer l'intégration de toutes sortes de solutions visant à développer notre potentiel. Donc, par là même, je voudrais clôturer l'IGF d'aujourd'hui, mais nous sommes maintenant à mi-chemin de notre mandat de 10 ans qui a été renouvelé par l'Assemblée générale de l'ONU en 2015. La feuille de route pour la coopération numérique se réfère à ce comment l'on pourrait aller faire un pas en avant en commun et créer un agenda plus spécifique, choisir des problèmes bien définis, et c'est ainsi qu'il faut procéder, c'est-à-dire se concentrer sur ce qui est le plus important et continuer de cette manière-là. Nous avons déjà commencé à agir de cette manière l'année dernière et nous continuons son travail maintenant et nous allons le continuer aussi dans les années à venir. Il faut aussi assurer la continuité entre les sessions annuelles de l'IGF. Et ici, par exemple, nous avons beaucoup parlé de données. C'était la continuation de ce qu'on a déjà abordé l'année dernière à Berlin. Deuxièmement, inclure des leaders de haut niveau, des leaders, des représentants de ministères, des parlementaires et d'autres leaders. C'est ça qui est important. Je suis vraiment encouragée par ce changement dynamique et des propositions législatives qui ont apparu lors de notre session de haut niveau. Tout ceci en réponse à la pandémie du COVID-19, à cette incertitude dans laquelle nous vivons et en attendant la relance dans l'avenir. Nous encourageons à coopérer les parlementaires du monde entier et nous encourageons à une meilleure coopération entre parlements et coalitions dynamiques qui ont été créés aussi cette année lors de la table ronde avec les parlementaires. Nous voulons aussi continuer nos efforts visant à rapporter les résultats de notre travail et les transmettre à l'ONU. Donc, il faut qu'il y ait des liens forts à des niveaux différents, au niveau global, régional. Tout ceci est très important. Je voudrais aussi souligner le rôle clé de IIS dans le contexte de la création de ce caractère d'initiative d'en bas de l'IGF. IIS se développe. Les gouvernements et les organisations en profitent en s'y joignant. J'encourage la communauté internationale à investir et renforcer dans le rôle du NRI la famille de l'ONU. Y compris notre comité, département d'ESA, sont engagés dans la coopération avec différents partenaires, ce qui va nous permettre d'augmenter aussi le potentiel de NRI et renforcer leur signification dans le système global de l'IGF. Pour ce qui est du travail intégré, coopération avec l'IGF, une bonne pratique ici, ce sont des forums et des coalitions dynamiques. Leur rôle et leur valeur ont été déjà bien prouvés. Eh bien, la cohésion de nos activités et la coopération avec des entités internationales est une question clé. Un autre point, c'est l'activité à long terme de l'IGF. Eh bien, ici, nous avons besoin de bonne coopération. Lors de la pandémie,
Nous avons le support de plusieurs donateurs grâce à nos professionnels. Je voudrais ici remercier à cette occasion le gouvernement polonais de son apport financier lors de l'organisation de l'IGF de cette année. L'augmentation de la visibilité de l'IGF à l'externe, c'est quelque chose qui permet d'en développer l'efficacité. Nous avons ici un soutien de la part de différentes organisations, ce qui nous permet d'être une plateforme internationale. L'IGF gagnerait à avoir une stratégie de communication efficace. J'espère qu'une telle stratégie sera élaborée. Sous la présidence du secrétaire général, j'espère que nous allons travailler ensemble, appliquer la feuille de route et profiter du rôle renforcé de l'IGF. Mesdames et messieurs, la pandémie COVID-19 et bien sûr tous les décès qui ont eu lieu dans le monde entier nous ont rendu le monde incertain, mais d'autre part, ça nous a montré des possibilités liées à une grande présence de technologies numériques. Ce n'est pas seulement le premier forum virtuel de l'IGF dans l'histoire, mais beaucoup d'autres choses ont eu lieu ici pour la première fois, c'est-à-dire que la moitié des participants de cette année sont des gens nouveaux qui ont participé pour la première fois dans ce genre de réunion. Et c'est pour la première fois que notre réunion a été transférée en direct sur la télé de l'IGF et Antonio Guterres nous a rejoint. Nous avons aussi accueilli le président du comité économique et social. Nous sommes concentrés en grande mesure sur les jeunes et je pense que notre implication dans une coopération accrue avec les jeunes va continuer en 2021. Je voudrais aussi apprécier l'importance de l'approche multilatérale. Notre conseil MAG a su réagir très rapidement au COVID. Pendant les derniers mois, ses membres ont vraiment fait un grand effort pour que l'IGF se déroule. Au début de l'année, lorsque nous nous sommes réunis avec Orienta, nous avons pensé comment préparer ces sessions-là, comment ça pourrait se faire, mais quelques mois après, nous avons déjà pensé à organiser des sessions virtuelles. Je voudrais remercier tous les membres du MAG et tous ceux qui ont participé à l'organisation de la réunion de cette année. Je voudrais aussi remercier nos hôtes de l'année suivante, la Pologne et l'Éthiopie pour l'année 2022 et le Japon pour l'année 2023. Et la Fédération russe pour l'année 2025. J'inviterai d'autres pays membres à ce qu'ils voient s'ils voudraient devenir hôtes en 2026. Chers collègues, grâce à l'engagement de nos pays membres, nous espérons qu'il y aura une grande participation dans notre forum des pays en développement sous la présidence du secrétaire général et du département d'Essa. Nous sommes prêts à soutenir toutes les parties prenantes, soutenir les travaux de l'IGF. Chers collègues, chers amis, nous sommes maintenant dans un moment critique. Le monde doit faire face à des défis de nature historique. Et je suis vraiment soulagée par le succès de l'IGF de cette année, mais ce monde réel, physique, va toujours continuer à définir notre vie, notre humanité. Donc, j'espère qu'on va se voir en personne en décembre 2021. Merci d'avoir soutenu l'organisation de la réunion de cette année. Je voudrais ainsi terminer mon intervention en remerciant Jonathan et d'avoir mené cette session et beaucoup d'autres. Merci beaucoup.
Merci. C'est pour moi un grand plaisir de travailler pour l'IGF et donc je suis vraiment ravie d'avoir participé dans cette session. Souvent, nous étions confinés dans nos bureaux et lors du lockdown et comme le secrétaire général l'a déjà dit, le forum est terminé. Je voudrais remercier vous tous et j'espère qu'on va attendre avec impatience la réunion en Pologne en 2021. Nous vivons tous dans un monde numérique. Nous avons tous besoin d'un monde ouvert et sûr. Nous avons tous besoin de la confiance et nous voulons qu'on nous fasse confiance. Nous haïssons le contrôle. Nous souhaitons la liberté. Nous sommes tous unis.